Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien. Comment dire, les records du monde. Ça fait quand même maintenant un petit bail qu'on en parle. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, la première fois que j'avais fait une tentative, j'avais payé 800$, tout ça pour apprendre que finalement ce record ne pouvait pas être enregistré. Nous n'acceptons pas de candidature pour un nouveau record dans la catégorie de Minecraft. Ah bah merci de me prévenir. Ensuite j'ai postulé pour un record 100% legit. Je repaye 800$. Sauf qu'il y avait des règles qui étaient cachées et qu'on te les donnait seulement une fois que t'avais payé les 800$. Là il y a des guidelines, oh bah dis donc. Il y a des avec des règles précises à respecter pour ce record du monde précis. Ah bah merci de me prévenir. Donc après ça j'ai décidé de faire carte sur table et de tenter le record du monde avec toutes les règles qui s'appliquent précisément. Le record c'était la construction de la maison la plus rapide dans Minecraft avec des règles bien précises que j'ai respectées. Je l'ai fait en direct avec deux témoins sur un serveur. J'ai respecté absolument toutes les règles et j'ai fait une ultime candidature en repayant 800$. Donc là, vous vous dites sûrement... Là, j'en ai plus, pourquoi t'as fait ça? Mais t'es complètement débile. Alors oui, d'un côté, certes, je suis complètement débile d'avoir fait ça. Mais de l'autre côté, c'était pour vous faire plaisir. Pour pouvoir vous montrer ce que c'est de battre un record du monde pour de vrai. Pour vous faire des vidéos de qualité où je peux vous montrer un petit peu l'envers du décor. Et surtout qu'en plus, j'avais vraiment respecté absolument toutes les règles. Et je me suis même entraîné pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avant de réussir parfaitement le record. Et là les amis, après avoir payé les 800$, je reçois un petit message de la part d'une surveillante du Guinness World Record. Franchement je sens que vous allez me dire que c'est complètement fake. Et vous avez raison, parce que même moi je n'y crois pas tellement, c'est abusé. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Tenez-vous bien, asseyez-vous, genre posez-vous, ne soyez pas debout, vous allez tomber par terre sinon. Asseyez-vous confortablement. Et c'est parti. Notre chère Megan nous dit: salut Aldric, j'ai regardé ton application, ta candidature, pour le temps le plus rapide pour construire une maison dans Minecraft. Mais malheureusement, nous étions en train de se demander si nous n'allions pas, eh bien, mettre ce record de côté. Oh bah voyons. Mais cependant, nous avons une alternative pour vous, un petit titre de record que tu pourrais candidater, hein, voilà, tu pourrais candidater pour ce titre. C'est le temps le plus rapide pour construire une maison dans Minecraft en mode survie. Mais vous vous foutez de ma gueule? C'est exactement ce que j'ai tenté. Sauf que le truc, les amis, c'est que lorsque vous allez chercher ce record, regarde les amis, c'est n'importe quoi. Là, ce titre, parce qu'en soi, le record que j'ai tenté, moi, c'est Fastest Time to Build a House in Minecraft. C'était le titre tout court. Il y avait un autre record, le temps le plus rapide pour construire une maison en mode survie. Et là, on apprend qu'il y a un record, 3 minutes 54, bim bam boum. Voilà, avec des règles bien précises. Il faut que la maison soit 5 par 5. Il faut qu'il y ait un lit, etc., etc. Donc, on va résumer, les amis. Le Guinness World Record donne un titre de record bien précis, avec des règles très précises à respecter. Ce que j'ai fait. Tout ça pour que je reçoive un message qui me dit non, en fait ce record finalement il est pas ouf, donc on va le retirer. Par contre, si tu as envie de tenter, le record officiel pour la maison la plus rapide, ça sera ce record là. Et bah voilà, bonne chance. Donc là, comment vous dire, j'étais un petit peu un petit peu choqué déjà, hein, c'est vrai. Et puis j'étais un petit peu en mode: mais vous allez arrêter de vous acharner sur moi. Tout ce que je demande, c'est un putain de papier avec écrit « T'as battu un record, bravo !» Donc maintenant, les amis, je vous explique les bails. La meuf, qui est quand même un minimum gentille, m'a dit qu'une fois que j'aurais posté une candidature vraiment officielle avec les règles respectées, etc., pour ce record, eh bien, je pouvais lui envoyer la référence et elle allait s'en occuper rapidement sans que j'aie à repayer la facture. Donc, les amis, dans les prochains jours, je vais retenter de battre ce record. Enfin, pas le record que j'ai demandé de battre, mais le record du coup avec le mec là à battre en 3 minutes 54. Je vais pas le poster sur cette chaîne parce que les records du monde, c'est bon là, il y en a marre. Je vais le poster sur ma chaîne secondaire, donc si vous êtes intéressé pour regarder bien ma candidature, et bien n'hésitez pas à aller vous abonner, un lien se trouve dans la description. Sur ce, on arrive quand même à un total de 2400$ dépensés pour cette charmante petite série. Ça commence à faire beaucoup. Ne vous inquiétez pas pour moi, ce n'est pas la peine de dire dans les commentaires mais c'est débile d'avoir dépensé 800$ dans ce truc, etc, etc. De 1, je m'en fous, 800$ c'est pas ce qui va me mettre dans la rue, 2400 non plus, je vous rassure. De 2, je fais ce que je veux avec mon argent. Et de 3, c'était pour vous faire plaisir, donc n'allez pas me dire dans mes commentaires que j'aurais pas dû faire ça. Mais bon bref les amis, je garde le sourire, je prends cette expérience comme, voilà, un petit challenge. Et les amis, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? C'est n'abandonner jamais, allez toujours au bout des choses. Quand vous voulez quelque chose, faites tout ce que vous pouvez
pour l'avoir et vous l'aurez un jour. Je me fais dépouiller de mon argent, je me fais prendre pour un con, mais ce n'est pas grave, parce que je sais qu'au bout, je l'aurai ce record. Vous pouvez me faire confiance, je l'aurai. Il y aura une vidéo sur ma chaîne où j'ai battu ce record et où je vous montrerai le tableau. Et on va chanter tous ensemble, on va faire une farandole, on va faire une chenille dans toute la Suisse. Et voilà, tout est bien qui finira bien et je peux vous l'assurer les amis, je ne lâcherai rien. Sur ce les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, soyez heureux, souriez, la vie est belle et surtout, ne lâchez rien, même si vous vous prenez, vous faites prendre pour un con, même si on vous donne des coups dans le dos, tout ce que vous voulez, ne lâchez rien. Lorsque vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens d'y arriver et vous y arriverez. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, high five.